Coucou. Oh, mes lumineuses et lumineux. Bonsoir, shérif. Bonsoir, Rouamba. Bonsoir, ma belle Larissa Wayoro. Bonsoir, ma lumineuse Lord Duo. Andesson-Zok, bonsoir. Yaya Bamba, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les gens de YouTube là-haut. Combien de mois, on va dire, vous ne m'avez pas vu là. Vous n'êtes pas inquiet. Hein? Yaya, bonsoir. Lord, bonsoir. Je ne vois pas vos commentaires, les gens de YouTube. C'est quand même un peu bizarre. Hein? C'est quand même bizarre sur YouTube. Et puis l'image est un peu bizarre. Je crois que moi-même, j'ai un problème avec ma chaîne YouTube. Palais, au palais, c'est où ça? Ouandaogo. Otam, bonjour, bonsoir. Issouf Kouyaté. Est-ce que vous allez bien? Hein? Attendez, hein, c'est pas normal. Je ne manquerai de rien. Venant d'abord, je vous ai manqué. Issouf Kouyaté, bonsoir. Good luck, bonsoir. Yaya, bonsoir. Cheki Terry, bonsoir. Nociani Soumaro, bonsoir. Mais YouTube, écrivez-moi un peu, parce que là, je ne vois même pas, je peux même pas vous saluer. Et quand c'est comme ça me fatigue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live là, s'il vous plaît. Eh, venant d'abord, Pat. Eh, moi aussi, l'homme aussi, hein, il mange et chie. Merci. Depuis Dakar, on est ensemble, Lamine. Oh, dis, tu es là. Je t'ai pardonné. Je vous ai trop manqué. Hein. Tu as vu ça, non? Ma journée, ça a été Trinité Koyate. Bonsoir. Ça a été ma journée. Et mange les pâtes. La nourriture la plus moins chère en Bengue. Et puis, les gens prennent pour faire malin sur nous au kiosque, là. Les Bodakourou comme ça. Combien de go ils ont boit à cause des spaghettis chez... Attendez. J'ai dit, hein, combien de go ils ont boit, hein, à cause des pâtes chez les Diallo là. Hey, on souffrait dès avant. Le gars t'envoie, il s'en paye. Gaïa spaghetti coin un rognon. Il dit, tiens, tu finis de manger, il s'en va, il te boit pour mettre dessus. Hey, l'homme a souffert dès... Non, l'homme a souffert de nos gars. Nous ont boué à cause de ça là. Pas tes rognons. J'ai dit, pour elle là même est un peu sale comme ça. Mais tu assises, tu attends pas tes les cahiers. Boué à cause des pâtes. Les, oh non, les Diallo là, putain. Et puis moi-même, il y avait un Diallo qui était fan de moi façon là. Merde, moi et ma camarade. Comment on a pris son. On a mis pâte là jusqu'à le jour où il dit il va venir boire là. Il est disparu du quartier. Ce jour-là, il dit il est déménagé en même temps. Quand il y a Diallo là, tu sais que c'est un tueur même d'homme. Yeah, il allait me fatasser. Il allait mal me boire. Ça, il collait de tous les spaghettis et rognons. Il est d'abord là. Il allait fournir ça sur moi ce jour-là. Seigneur Dieu. Et elle disparaît pas du quartier. Ma camarade aussi, elle est fausse gamme, elle est lourd comportement comme ça. Au lieu de me dire, ma chérie, il ne faut pas en faire ça là. C'est un mec qui me disait les soirs, oh Charles, oh allons chez le Diallo là, il va nous servir un peu de pasta. J'ai dit, on s'en s'assoit, spaghetti, macaroni. On prend, il met, il verse rognon là dedans comme ça, il faut nous voir. On tabac. Quand il dit, mais la plus belle, il a dit, je reviens, je reviens. Mais un jour, il dit, aujourd'hui, là, tu as mes deux pétou là.
J'ai dit, Maman Jolie a déménagé en même temps. Elle a déménagé en même temps. Tellement je sentais ma mort venir. Le gars allait mal, mais finit de merde. Je ne sais même pas ce qui devient même. Bon, en tout cas, bref, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. Ce soir, j'aimerais qu'on parle sérieusement, voilà, de tout le monde. Vos coachs de vie, vos coachs de choses. Vos coachs de vie et vos coachs matrimoniales, là. J'aimerais qu'on parle un peu de... Voilà, donc, je suis là... Ce soir, pour qu'on soit, on va dire, un peu réaliste. Pour qu'on soit un peu réaliste. Voilà un peu quoi. Voilà, donc si vous êtes là... Non, mais sur YouTube ici, là, je comprends pas. Hein. L'image est bizarre. Ou bien c'est le téléphone qui est bizarre. Mes gens de YouTube, mes lumineux et lumineuses de YouTube... Je ne comprends pas ce qui se passe. Hein. Si quelqu'un peut m'aider, aidez-moi. Ah, le sujet, c'est les coachs de Facebook. J'ai dit, hein, voilà. Toi qui es ici, mon frère ou ma soeur, comme je ne peux pas te voir là, pour t'enlever, au lieu de mettre tête de mort là, s'ils ont partagé que ça arrivait chez toi, que tu n'as pas envie de voir ma tête, attends, tu peux partir. Pourquoi tu es là et puis tu mets... Les têtes rouges. Pourquoi? Ben, moi, je demande à mes lumineux de partager. Maintenant, quand eux, ils partagent, si ça arrive chez toi que tu as vu ma gueule, que tu dises, ma gueule ne te plaît pas là. Tu quittes là ou bien? Je suis dans le noir. À cause des spaghettis. Eh, Seigneur. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, hein? On continue de les boire à cause des spaghettis. Bon. Comme vous êtes là, et que je pense que les autres vont venir nous trouver sur la route. Je ne comprends pas, il faut demander, il faut bien, si tu les as demandé là. Je n'arrive pas à les bloquer, sérieux, je ne comprends même pas. J'arrive pas à les bloquer. Au moins, s'ils écrivaient leur merde, je pouvais voir pour les bloquer, mais j'arrive pas à les bloquer. Les gens de Facebook, ça me fatigue. C'est les vrais sorciers. Bon, comme je disais, je suis là pour qu'on parle un peu. De vos coachs de vie et vos coachs matrimoniales. Voilà, nous tous, on voit un peu ce qui se passe actuellement là sur cette histoire de Zach Mwikasa, la Mwikasance, et de Jel Namila, la, comment on appelle ça là? La Toleka, deuxième du nom. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle de ça. Moi, je ne sais pas s'ils se sont boués, mais en tout cas, apparemment, ils se sont boués. Oh, ça me fait, quand je vois les signalisations là, après c'est pour venir couper, c'est comment je peux faire? Attendez, hein. Je vais voir ici. Excusez-moi, on va parler, hein, mais il faut que j'enlève la personne qui est en train de me serrer comme le casque. Voilà. Parce que moi, je comprends pas. S'ils ont partagé que c'est arrivé vers toi, que tu n'aimes pas ma grosse tête. Mais mon frère, tu peux dégager. Mais tu restes là pour faire ta sorcellerie qui ne dit pas son nom. Oh. Je ne parle pas de Makoso. Ma lumineuse Anissette, bonsoir. Mais je ne le comprends pas. Au lieu de partir, ils cherchent à signaler le direct. Franchement, je ne sais pas. Aïe! Non, mais au fait, ça va couper mon direct. C'est ça qui m'énerve. Ça va couper mon direct. Et je n'ai pas aussi envie de toujours être là derrière vous pour vous dire, mettez les cœurs, les j'aime, les cœurs, les partages, les cœurs. Vous voyez, non?
C'est ça le souci. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire. Mais je ne vois pas le nom, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je disais, je suis là pour qu'on parle un peu de Zack Moukassa et de sa chérie, Nel Djamila. Voilà. Et de Sunshine, la go qui brille. Voilà. Je suis là pour qu'on parle un peu de ça. Au fait, ce que vous, les Ivoiriens, ou bien ce que nous, les Ivoiriens, nous ne savons pas, c'est que toutes ces personnes-là, excusez-moi, hein, je ne pense pas qu'ils ont fait école de... Je ne pense pas qu'ils ont fait école pour apprendre à parler ou bien à donner conseil aux gens. Vous comprenez? Ici, en Europe, ici, les conseillers matrimoniaux ou bien matrimoniales, comme je dis toujours, je ne suis pas née française. Voilà. Je suis une Ivoirienne et une Africaine et j'aime ça. Voilà. Je ne cherche pas à lutter nationalité avec quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, en Europe, ici, il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à conseiller les gens, pour apprendre à régler les problèmes de foyer des gens. Vous comprenez? Ce n'est pas à cause de ta petite vie de peut-être 30 ans, tu as vécu, ton petit, ils ont plac-plac un peu dans ton boutouman, jusqu'à aujourd'hui, tu es marié, tu as venu choquer dans l'oreille des gens. Et puis, certaines de mes soeurs vont dire que oui, toi, tu peux donner conseil à quelqu'un. Là, je parle d'abord de Nel Djamila. Voilà. Ceux qui vont venir dire, je suis jalouse là. Aujourd'hui, sont demain, sont après-demain. Je m'en fous de ça. Je prends ça, je prends pour torcher mon boutouman avec. Moi, là, je suis jalouse de peut-être Oprah Winfrey. Oui. Je suis jalouse de Dominique Ouattara. Mm-hmm. Je suis jalouse de la première dame, hein, qui est, de, je sais pas, de Chili ou bien où, qui est en train de démissionner pour qu'on prenne sa place là. Je suis jalouse d'elle. Je ne peux jamais être jalouse de Toleka, deuxième du nom. Quand on vous dit la vérité, apprenez à écouter. Elle a mené quelle vie? Quelle est son expérience de vie pour qu'elle vienne, toi, te donner conseil sur ta vie? Sur comment gérer ta vie? Bon, on va dire que peut-être elle a eu plusieurs vies antérieures. Ok, anyway. Mais plusieurs vies. Chacun de nous a son expérience dans la vie. Chacun de nous a son expérience. C'est-à-dire, moi, de façon, moi, je vis mon foyer là. C'est pas comme ça, peut-être, Kwame Soura vit son foyer. Donc, une personne ne peut pas se lever, s'auto-proclamer coach de vie matrimoniale et venir s'asseoir et puis vous donner conseil. Vous allez écouter ça jusqu'à pour finir. Elle va vous faire payer ses consultations. Jean, elle est trop dans le cabinet ici, là. Hmm? Voilà. Et vous, vous êtes dedans. Jusqu'à toi, Sunshine. Si c'est Sunshine ou bien Sunshine. Toi, l'ex de la Mouikassance. Tu vas aller te confier chez elle. Elle va passer derrière, elle va bouer ton mari. Je n'étais pas là-bas quand ils ont enlevé leur caleçon. Hein. Moi, j'ai pris les captures et je suis venue déposer. Et j'en profite en même temps pour ouvrir vos yeux, les yeux de tout le monde. Parce qu'arrivé un moment, arrêtez de vous faire berner. Ce Zack Moukassa là-même, là, moi-même, MS de Luna. Elle dit, arrête d'abréger les noms pour que je sois située. Ce Zack Moukassa là, moi-même, MS de Luna là. Je suis partie un jour, je l'ai écrit. Il est très gonflé. Voilà. Je suis partie un jour dans mon papatoya, dans mon... Jean, je veux savoir ce qu'il dit ou bien ce qu'il fait là. Je suis partie, je l'ai écrit. J'ai mouillé, j'ai fomenté une histoire. Je suis venue, je dis, ah frère, je sors avec un monsieur qui est marié. Il aime sa femme. Manchin. J'ai écrit à Zack Moukassa quand je vais trouver mon ancien Facebook là. Je vais faire sortir les captures, je vais venir déposer ici. Je l'ai écrit. Ah non, parce que j'avais vu une de ses vidéos, j'ai vu les filles. Femme, tu es mouton. Les filles, wow, c'est toi qui dis la vérité. Wow,
toi, ton foyer, là, c'est Zach Mwikasa qui va venir te dire comment tu dois gérer, comment tu dois te comporter, ton mari, comment. C'est lui qui sait qu'à partir de 30 ans, si tu n'es pas millionnaire, il connaît ta destinée. Il connaît ta destinée. Il sait ce que tu as traversé. Et puis, c'est lui qui a venu dire qu'un homme, à partir de 30 ans, tu dois faire ça. À partir de 50 ans, tu dois faire ça. Pourquoi l'Africain est abruti comme ça? Et les gens se font des millions sur votre dos. Vous ne savez pas. Faites-moi aussi, je vais avoir un million là un peu. Tiens, il y a quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, bref. Je suis partie, je l'ai écrit. J'ai dit, je suis avec un homme marié. Je l'aime. Mais j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Vous savez comment il m'a répondu? Laisse-le. Attends, quelqu'un qui dit elle est fan de son gars. Toi, tu dis tu es coach de vie, coach d'action, de réaction. La fille vient te dire elle est fan de son gars. C'est un peu, c'est comme la drogue ou bien? De vous à moi, c'est comme drogue. Quand tu es fan d'un gars, là, c'est comme tu es drogué. Donc, on doit te faire le sévrage un peu. Maintenant, comme Zach Mwikasa, il dit que lui, il est coach de vie, là. Moi, je suis partie pour qu'il me sèvre un peu. Le gars m'a bien que, ouais, laisse-le. Et il ne m'a plus écrit. Donc, ce qu'on dit de lui, là, c'est la vérité. Il est très gonflé. C'est un homme plein de lui. Et façon, il est devenu, là, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez fait qu'il est devenu comme ça. C'est vous qui avez fait qu'il a commencé à boire vos soeurs en désordre. Toi, Nel Jamila, ton nez est coupé, on dirait, pour moi, ici, là. C'est chez lui, là. Son nez... Bon. Pause publicitaire. Allez-y acheter mes poulets. D'accord? Voilà. Acheter mes poulets. C'est situé à Yopougon-Lokwa. Voilà. Je vais laisser un numéro tout à l'heure, là. Vous allez pouvoir appeler. Vous allez acheter les poulets. Mes poulets sont frais. Mes poulets sont très bons. Mes poulets, là, ça donne de la vigueur. Voilà. Quand tu manges mes poulets, tu as tablette de chocolat en même temps. Quand tu manges mes poulets, tu es frais. Quand tu manges mes poulets, tes pommettes, là, tu n'as pas besoin de te maquiller. Ça devient rose. Moi, mes poulets, ils ont fini ça. Il dit il est coach de vie. Il n'a qu'à quitter là. Quand il parlait aux gens ici, là, il n'a pas dit que c'est lui qui est là pour donner choses. Hein? Pardonner, libérer mon dos. Il n'a pas dit que c'est lui qui est là pour donner des informations aux gens sur comment gérer leur vie, comment créer une société, comment. C'est lui, non? Et vous êtes des millions et des millions à les suivre. Son El Jami là-haut, son quoi, son l'autre qui est aussi déposé là-bas, je n'ai pas envie de dire son nom. Moi, je n'ai jamais suivi quelqu'un pour me donner un conseil. Jamais. Parce que quand c'est trop chaud dans mon foyer, là, je prends mon numéro, j'appelle ma maman. La vieille, c'est mou. Le voisin, là, il est en train de me montrer Douskassi. Voilà. Quand il finit de dire ça à la vieille, là. Elle me dit, passe comme ça, fais ici, tourne ici, rentre ici, sors là-bas. Quand je vais faire commerce là, c'est pas bouche de ma camarade femme, je m'ai écouté. Et puis elle va me faire payer ça. Là, je suis en train de m'adresser aux filles. Si je veux faire mon commerce, je n'appelle pas Nel Jamila pour aller payer 5 francs dans sa main pour lui dire, voilà commerce je veux faire. Je ne fais pas ça. Moi-même, je tâte le terrain. Pour voir ce qui marche. Quand je finis, j'appelle ma mère ou bien ma tante. Ah, maman, voilà ce que je veux faire. Voilà telle chose, je veux entreprendre. Et la vieille me dit, ma fille, ah, ça là, actuellement là, c'est un peu chaud. Hein. Je ne suis pas sûre que ça a marché. Prends ça, fais ci, fais ça. Et je suis le conseil de ma vieille. Et il y a toujours les bons retombées de la chose. Vous êtes là, vous, d'un poids. À des filles même, des fois même qui sont vos petites sœurs. Tu vas aller trouver même des fois, c'est les grosses mamans qui sont assises là-bas que coach. Elle a fait école de quoi? Elle a fini de faire Star Tonnerre. Elle a fini de chanter Toleka et Bamba Misara. C'est sur elle, vous allez partir, vous asseoir. C'est sur elle, vous allez respirer. Vont, vous avez trop eu coach. Et quand on va parler, les gens vont dire non que oui, tu es jalouse. Jalouse de quoi? Où est son modèle là? Et puis moi je serai jalouse. Où est ça?
Où est ça? On essaie de vous ouvrir les yeux, vous ne comprenez pas. Vous partez payer pour avoir conseil. De qui? Bon, elle, son palmarès de gars, et puis elle sait comment on gère foyer, comment on gère sa vie là. Son palmarès là, elle n'a qu'à vous donner. Elle a eu combien de gars dans sa vie? Ben, même le bordel même ne peut pas te donner un conseil sur ta vie de Djandjou. Sur ta vie de go et gars, bordel Djandjou là, elle ne peut pas te donner un conseil. Bordel même là, elle ne peut pas te donner un conseil. Aïe! Donc, elle n'a qu'à venir vous sortir son palmarès de vie. C'est sa vie commune depuis elle est enfant, depuis elle a fait tous les cas. Bamba a mis Sarah et puis elle est devenue comme elle est là. Elle n'a qu'à vous sortir son palmarès avant de venir vous asseoir, de venir s'asseoir devant vous pour dire, elle va vous donner un conseil sur si ton mari ne t'aime pas, il faut faire comme ça. Si ton mari doit te m'aploquer, il te m'aploie à gauche, il faut tourner à droite. Si non! Non! Arrêtez d'aller gaspiller votre argent. Arrêtez d'aller gaspiller votre jeton. Si vous n'avez rien à faire, ça là, pardonnez, donnez-moi. Quand il est parti à Abidjan, il est parti donner ça aux enfants. Il y a des enfants qui sont dans le besoin. Il y a des familles qui sont dans le besoin. Il y a des familles qui n'ont pas 3 repas par jour. Ceux-là, ils ont besoin de vous. Hey! Cotisez, vous allez les donner. Cotisez, allez-y donner ça aux handicapés. À Benjerville, là, il y a les fous. Cotisez, allez-y leur donner. Donnez à manger aux gens qui ont faim. Pas à ça là. Pas à celle ça là. On donne pas, on va pas payer pour ça. Parce que toi-même, la vie t'apprend des choses. On dit toujours conséquence donne conseil. Conséquence va te donner conseil. Aïe. Toi, tu voulais comment et puis tu veux pas avoir Goumen dans ta vie. Faut aller chercher Goumen. Il y a quoi? Faut tout faire, tu vas avoir Goumen dans ta vie. Au moins, demain là, tu peux témoigner que ah, moi, un jour, il y a eu Goumen. Mais à cause de fruits Goumen, tu coûtes, tu t'en payes l'argent à une fille que si tu as demandé son palmarès de go et gars, c'est go et gars, quand elle est devenue ce qu'elle est là. Si tu as demandé, peut-être, si elle a trop là, peut-être elle n'a pas eu 10 gars. Elle ne connaît pas ce qu'on est. Ou bien, gens vécu et garçon comme ça jusqu'à là. Si tu as trop demandé là, je ne suis pas sûr qu'elle a eu son 20 comme ça. Mais c'est dans sa main, toi, tu t'en demandé conseil pour tenir ton foyer. Pour savoir comment tu dois, comment toi-même tu dois réfléchir pour faire fructifier ton argent. C'est-à-dire que tu dois mettre un commerce en place pour t'en sortir là. Tu as besoin que c'est quelqu'un qui n'a qu'à venir te dire. Toi, tu ne sais pas que tu dois chercher à fructifier. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que si tu as 100 000, tu peux investir dans quelque chose, ça va sortir boulet. Tu ne sais pas. C'est la bouche de ta camarade. Tu vas aller écouter et puis pour te donner un conseil là, elle va te dire il faut me payer et puis tu as payé. C'est elle qui n'a qu'à venir te dire. Toi, tu ne sais pas, hein. Tu ne sais pas que quand on a un peu d'argent, on fructifie ça pour que ça devienne beaucoup. C'est elle qui n'a qu'à te dire. Attends. Oh, merde. Voilà. Demain, il faut aller faire campagne de non au pro ailleurs. Tu prends ta pancarte, tu mets ça sur ton gros front, tu mets un nier dessus. Et puis, tu t'en fais ta campagne ailleurs. Attends. Non, c'est Nelly Djamila, c'est pas Nelly Djouman. Merci. Ma lumineuse Mireille Seri. Merci beaucoup. Excuse-moi. Je confonds toujours les noms. C'est Nelly Djamila, c'est pas Nelly Djouman. Pardon, merci. Tu as l'argent là. Au lieu d'aller lui donner pour qu'elle te donne un conseil sur comment tu as géré ton foyer, prends ça. Si ça te gratte beaucoup, que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec là, prends, va donner ça aux enfants handicapés. Va donner ça aux gens qui ont faim. Comme je dis, il y a des familles en Côte d'Ivoire là-bas là, qui n'ont pas 3 repas par jour. Il y a des familles comme ça. Ils n'ont pas 3 repas par jour. Donc, au lieu d'aller payer un coaching privé de vie, de comment on va te dire, de m'appeler ton gars ou bien comment gérer ton foyer là. Au lieu d'aller payer ça là, tu prends l'argent là et puis tu t'en donnes ça aux nécessiteux.
tu auras bénédiction de Dieu. Voilà. Maintenant, Zach Mukasa, là, comme je dis, je n'ai pas vu son Zobaya rentrer dans Kwetu de la fille. Mais par rapport à comment moi-même il m'a répondu, quand on me dit qu'il est gonflé, je sais qu'il est gonflé. Voilà. Parce que pour un homme qui n'est pas plein de toi, qui est sur la toile, là, qui ne trie pas qui, à qui tu dois répondre ou bien à qui tu ne dois pas répondre, la réponse qu'il m'a donnée là n'était pas la bonne réponse. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a boxé que ça veut dire qu'il a le droit hein, de venir toi te donner conseil. Toi-même, tu ne fais pas boxe à, au quartier là-bas. Quand tu cherches Petit Niaga là, ce n'est pas toi qui te positionnes pour faire boxe. Hein? Pourquoi vous aimez vous faire embobiner comme ça même? Vous êtes là, vous passez votre temps. Celui-là se lève, il va venir s'auto-proclamer coach de vie, coach de quoi matrimonial. Et vous êtes là, vous les suivez. Gomo, 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 gomo. Quelqu'un même là, s'il a trop d'argent là, il allait sortir livre. Pourquoi il va sortir livre et puis il va payer? Il va dire on n'a qu'à payer. Il n'a qu'à distribuer sa cadeau. Quand on dit on est trop accompli dans sa vie là, hein? On sort livre, on ne fait pas payer les gens, on donne sa cadeau. Pourquoi il vend ses livres? Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question. Vous courez, vous partez. Ah, j'ai écouté son livre ou bien j'ai lu son livre. Ça m'a apporté quelque chose. Donc toi, tu attends que ton camarade Naka vienne te dire qu'à partir de 30 ans, il faut que tu te cherches. Tu attends que ton camarade Naka te dise que oui, les amitiés, il y a tel ami, il ne faut pas marcher à lui. Ça, tu attends que c'est ton camarade garçon qui n'a qu'à faire vidéo pour te dire ça. Tu attends ça. Ton camarade garçon Naka vienne te dire. Toi, tu ne sais pas. Qu'il y a un camarade et puis il y a un camarade. Toi, tu ne sais pas ça. C'est ton camarade garçon qui n'a qu'à venir te dire. Ah! Mais attends, en fait, je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre. Hey! Ton camarade n'a qu'à venir te dire que non, il y a les amitiés des sorciers. C'est ton camarade qui n'a qu'à te dire ça. Eh, donnez. Faut pas fatiguer mon oreille ici. Quel écrivain a déjà donné son œuvre. Eh, il n'a qu'à partager. Il n'a pas dit que l'Afrique est en retard. Nous tous, on dit ici que l'Afrique est en retard. Voilà, la preuve en est. Comme vous avez fait vidéo là, je ne dis pas on n'a qu'à me payer. Je n'ai jamais mis une de mes vidéos en vente. Voilà. Donc, si je voulais l'argent aussi là, j'allais mettre ça en vente ou bien. Mais je sais que je suis piqué. Je ne cherche pas à faire payer quelque chose à quelqu'un. Il y a des personnes ici qui viennent m'écrire des sujets là. Je viens, je parle de ça ici. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, faut me payer. Voilà. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, paye-moi. Mais je finis, je viens, j'expose le souci ici. Nous tous, on en débat. Chacun vient donner son avis. Donc, oh, fichez-moi la paix avec vos histoires d'écrivains. Ne faites pas payer les trucs là. Aïe. Restez là. Ça coûte ça, les hommes de Dieu vous prennent. Ils vous prennent en tas. C'est-à-dire, ils viennent, ils vous blaguent et puis ils prennent votre jet. Ça coûte ça que ce soit Makoso. Tous ceux qui sont, tout, d'après eux, que non, que coach de vie, coach matrimonial, chacun s'élève, il s'octroie, c'est-à-dire un titre de coach. Et puis, il vient s'asseoir et puis il te bouloubande. Et ils vont toujours vous bouloubander. Parce que c'est ce que vous aimez. Ils vont, ce que vous, vos oreilles ont envie d'entendre là, c'est ce qu'ils vont vous dire. Vous ne savez pas encore. Paye quelqu'un qui avait dit que non, que oui, hein, si un garçon il est piqué, il n'a pas le droit de jouir. 70% de la gente féminine va venir applaudir. Parce qu'elles sont tellement ratées dans la tête. Elles se disent que oui, c'est garçon qui doit s'occuper d'elles. Donc, une fille qui va se lever, qui va s'auto-proclamer coach, qui va venir dire ça là, elles vont courir pour aller la suivre. Courir pour dire que dans sa bouche là, c'est dans sa bouche là que l'eau fraîche sort. Et elles sont remplies là-bas. Et toi-même, femme là, toi-même, quand tu t'assois, et ton intelligence là, ils ont mis ça sur pause. Tu attends que c'est ta camarade qui n'a qu'à venir te dire. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle hier travailler aussi pour chercher l'argent. Ta camarade femme te dit, si garçon monte sur toi, qu'il n'a pas l'argent, il faut le laisser. Et puis, tu es contente. Et elle dit, elle est coach. Mmh. Ah, ça.
En tout cas, je ne sais pas si c'est Beth Yawa, si c'est son Zobayao, si c'est quoi, je ne sais pas. Si peut-être dans votre tête, là, il y a petit interrupteur. C'est-à-dire quand vous voyez les gens qui vous bloubandent là, vous appuyez sur interrupteur là pour tout éteindre. Vous êtes là, c'est vous. Vous êtes toujours coach, hein. Toujours coach. On dit coach de sport, je peux comprendre. Bon, si tu es assis à la maison, que tu as la paresse, tu as besoin de quelqu'un pour te motiver. Ok, coach de sport. Mais coach de quelqu'un qui a venu dire comment tu gères ton foyer là. Ce qu'elle a vécu, est-ce que toi tu vis là? Ma chérie, ce n'est pas la même chose. Mon frère, ce que Zach Mwikasa a vécu et puis ce que toi tu vis là, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes expériences. Donc, ce n'est pas ce que Zach Mwikasa va venir te dire là qui va changer quelque chose dans ta vie. D'accord? Ce que Nel Jamila va venir t'annoncer là, je ne suis pas sûre que ça va changer quelque chose dans ta vie. Non! Parce que ton expérience est ton expérience. Elle, son expérience, c'est pour elle. Vous n'avez pas les mêmes expériences. Pourquoi vous aimez toujours qu'on vous dise des choses qui plaisent à vos oreilles? Vous n'aimez pas la vérité. Vous avez une sainte horreur de la vérité. Raison pour laquelle tel pasteur s'élève, il vend huile d'onction, il vient, il te blague. L'autre s'élève, il fait pousser bras, il te blague. Celui-là s'élève, lui, il ressuscite mort. Il est transpiré de... Il a arrêté de soulever mon bras. Celui-là s'élève, il fait ressusciter mort. Quand le gars l'a fait ressusciter, toute la toile était arrêtée comme son épine. Tellement tout le monde, oh, il est fort, il est fort. On a vu derrière que c'était mensonge. On voyage avec votre cervelle. Vous êtes là, on ne sait pas, vous réfléchissez en ralenti, en marche arrière, on ne sait pas. La copine de Zach Mwikasa, par rapport à ses dits, hein, qu'elle est venue demander conseil à Nel Jamila. Toi, ton visage aussi lourd, on est petit gorille. Là. Vous l'avez vu, son, ton visage est coupé en deux. Ton lourd visage, on est petit gorille. Là. C'est chez Nel Jamila, toi, tu as venu savoir comment va ton foyer. Si c'est vrai que Nel Jamila a boué le gars là, elle t'a raté. Elle t'a bien raté même. Voilà, elle t'a lapé même. Oh. Ma maman m'a toujours dit, quelque chose qui est moyen d'avaler là, faut pas tu as laissé ça te laper. Si vraiment Nel Jamila a mougou ton gars, elle a mougou Zach Mwikasa, c'est bien fait pour toi. C'est très bien fait. Demain là, faut partir encore. Demain, va demander conseil. Demain quand tu vas voir un nouveau gars là, maman, faut pas oublier, il y a une autre coach qui s'appelle Chic Manchin, je sais pas c'est quoi là. Chic là. Faut pas oublier de partir chez elle. Hein? Après demain, si tu as un nouveau gars là, va encore chez quelqu'un d'autre. Ils vont les boué dans ta main. Mouton là. C'est ta camarade femme. Ton gars, il est battu, on est mu. C'est lui, tu as pas dit que non, non, il me trompe, il souffre, il a bouffé mon argent. C'est Nel Jamila qui va venir te dire. Faut le laisser, ou bien faut rester lui, ou bien faut le manager, ou bien je sais pas. C'est Nel Jamila qui doit te dire ça. Nel Jamila, si tu l'as moula, faut bien le boire. Toi-même, tu es une flocosseuse. Zach Mwikasa, c'est un flocoman. Voilà, et puis vous tous, vous aimez une chose là-bas. Tout le monde est même chose là-bas. Demain, là, elle n'a qu'à partir chez elle. Voilà. Ma chérie, Sunshine, Aïman, quand tu auras ton gars, là, faut pas oublier, il y a d'autres coachs qui sont là. Hein? Voilà. Faut pas oublier de faire un tour là-bas. Voilà. Demain, là, tu prends encore la photo de ton gars, tu prends la réputation de ton gars, et puis tu t'en vas donner à ta camarade femme pour lui demander conseil. C'est-à-dire, tu as payé. Tu as des meilleurs conseils. Et puis Nel Jamila va venir boire ton gars. Putain, tu as eu triple douleur. Ouh. Ouh. Seigneur Dieu. Oh, Dieu de gloire.
Demain là, va demander à ta caméra comment on fait pour boire, hein? Faut pas oublier de venir hein, la photo de ton gars. Elle va t'apprendre à le boire. N'importe quoi. Hey, vous êtes là tous des flocosseurs et des flocosseuses. Et chacun, c'est, chacun vient vendre sa merde. Et on est là, chacun veut payer. Pourquoi? Hey, pourquoi? Où est l'expérience de vie de Nel Djamila? Où est son expérience de vie commune, de vie maritale? Elle est où son expérience? C'est vrai que des fois, les gens naissent avec la sagesse, mais pour ta relation, là, il y a sagesse dedans que tu vas aller demander à ta camarade. Toi, tu es bête comment? Toi, tu es stupide comment? Ton niveau, là, c'est à quel... C'est où? Ta vie, là, c'est ta vie. Ton expérience, c'est ton expérience. Toi, ton gars, c'est vous deux. Tu prends du temps de donner à quelqu'un. C'est elle qui va te donner un conseil. Ah! Hey, moi, il y a eu des moments ici, là. Le voisin m'a fait les trucs, non? On est hier des bêtes. Mais il ne peut pas aller m'asseoir chez quelqu'un pour parler de ça. Aïe! Ma maman est là. J'appelle ma maman. La vieille. Ouais, le... Kafa. Hey, j'appelle, c'est ma maman, j'appelle ou bien j'appelle ma belle-mère. J'appelle sa mère, j'explique. Voilà ce qui ne va pas. Et la vieille, elle me donne... La vieille, elles ont expérience. Elle, leur CV est B. Voilà. C'est-à-dire, elles ont une situation où il y a eu deuxième femme, où il y a eu go dehors, où il y a eu enfant dehors. Elles ont eu toutes les expériences. Donc, quand j'appelle comme ça, là, conseil me donne, là, quand je mets ça en pratique net, le voisin change de position. C'est comme ça, ça est. Mais non, hein. Que si ton gars, il n'a pas l'argent qu'il était boué, il faut le laisser. Et puis, elles sont là, wow! Et vous les suivez seulement. La seule, on va dire, la seule personne, parce que moi, je ne la considère pas comme une coach, la seule personne que je respecte, je dis bien je respecte, ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit, j'écoute. Hein. Ce qu'elle dit, là, je n'écoute pas, je m'en fous. Mais que je respecte, c'est la fille congolaise ou bien la femme congolaise, là. C'est elle seule que je respecte. Sinon, dis, je l'écoute, je la suis. Ce qu'elle dit là m'intéresse. Je respecte la personne qu'elle est. Sinon, tout le reste là. Poubelle. Parce que nous, tout, on est jeunes ici. Si tu as ton palmarès de Bédéli là, venez sortir. Toutes celles qui vous disent comment on mougou garçon là, pardonnez, demandez-leur. Elles n'ont qu'à vous sortir. Combien de gars elles ont mougou? Voilà. Elles n'ont qu'à vous sortir ça. Combien de gars elles ont mougou? Et puis elles vous connaissent bien. Choses. Elles connaissent bien les positions, comment appuyer, testo, pas, machin, tout ça là. Combien de gars ont mougou? Elles n'ont qu'à vous dire. Combien de fois on les a bras? Combien de fois on les a prises pour mettre dans le foyer là? Elles n'ont qu'à vous donner ça. Avant de venir vous dire comment mougou vos gars là, elles n'ont qu'à vous dire combien de gars ont mougou? Elles ont été jetées combien de fois? À partir de là, vous pouvez les écouter. Mais quelqu'un, peut-être qui était dans affaire de go et gars, un mois après, ils l'ont jeté. Deux mois après, ils l'ont jeté. C'est elle qui a fait ça là. C'est un conseil là. Pourquoi elle n'a pas appliqué ça sur ces gars? Et puis c'est à toi, elle vient donner. C'est pas la même chose là. Il a dit à Makoso un jour. Il a dit à Makoso, Makoso, tes conseils, tu donnes à nos jeunes soeurs là. Donne ça à tes enfants. Donne ça à tes soeurs, elles vont appliquer. Si ça marche, à partir de là, tu peux venir nous vendre ta merde. Mais si ça ne marche pas, ne viens pas nous vendre ta merde. Donc, avant de venir vous dire, voilà, 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 là, elles n'ont qu'à vous donner leur palmarès. Elles n'ont qu'à vous donner leur palmarès. Combien de fois elles ont attrapé fort? Elles n'ont qu'à vous dire. Hey! Film porno là, nous tous on réagit à ça, soeur.
Nous tous on regarde ça, mais ça ne te donne pas le droit de venir dire aux gens, faut décaler ton boda, ils vont boire dedans, ça va déchirer ton cuir. Ça ne te donne aucun droit. Aïe. Aïe, pour ne rien comme ça. Et puis, ça pète là-bas que non, Moukassa, Mougou, Nel Djamila. Et les gens viennent crier que Moukassa, il est bon. Nel Djamila, elle est bien. Pourquoi? Ce sont des hommes. Toi-même, la fille, tu es allée vendre Moukassa là. Hein? Moukassa là, c'est un garçon. Ou bien, Manza, son bangala s'élève. Aïe, il a vu bouche de Nel Djamila qui faisait bonjour mes amours, bonjour mes chéris. Bonjour, bonjour, ma batterie. Bonjour, mes chéris, mon chien. Quand il a vu ça deux fois, trois fois, mais c'est normal qu'il ait envie que ça n'a qu'à le lécher. Demain, va encore, va exposer ton foyer. C'est dans ton dos, là, où il y a colonne vertébrale. Ils vont prendre ça et puis ils vont arracher. C'est trop bête. La vieille, abaisse-toi, tu me donnes mon chargeur, s'il te plaît. Le chargeur blanc. Tu es où, man? Oh. J'ai dit. ma lolo. Je lui ai dit de s'abaisser. Elle va me donner un chargeur, là. Elle en train de se faire comme verre de terre, ici. Elle se traîne au sol comme verre de terre. Go, là, en nuit de... Moi, ma fille, elle a lourd comportement même. Vraiment. Attendez. Hein, parce que... Voilà. J'espère que ça va tenir un peu. Attendez. Hein, voilà, c'est bon. Ça peut tenir un peu encore. j'ai dit à maman de prendre mon chargeur. Elle est en train de se jouer les pickpockets. Elle traîne au sol ici. Hein? Vous êtes là? Vous êtes Zobaya de... Vous êtes trop bête même, vous les filles. Vous êtes bête même. Oh... Voilà, comme ça au moins, c'est un peu visible. C'est encore ma femme qui n'a qu'à venir te donner un conseil. Si comment boire, il y a une même là, elle même là, tous les jours. Si ton mari t'a laissé, comment faire pour qu'il revienne? Le gars, il dit, n'est plus fan de toi, ma chérie. C'est elle qui va venir te dire comment tu dois faire pour qu'il revienne. Le gars dit, il veut plus te bêder. Ton père tout, il est fatigué de ça. C'est ta camarade femme qui avait dit non. Il faut soulever cet estomac comme ça pour qu'il revienne. À quel moment? Aïe! C'est que tu n'as pas été fait boire cadeau. C'est son cœur qui a dit qu'il ne veut plus de toi. C'est qu'elle va te dire là. Tu as fait là. Il va te boire. Benzin. Zéro. C'est qu'il va finir de te boire et puis te jette. Vous êtes là, vous avez le comportement lourd. Après, c'est pour dire que oui, chose, sorcier. C'est toi-même qui es ton sorcier. C'est toi-même qui es ta sorcière. Zak Moukassa va te regarder. Il va te dire non, qu'à partir de 30 ans, un homme doit être accompli. Il connaît ta galère. Il connaît depuis. Tu as fait combien de CP1, combien de CP2. Il connaît. Il connaît pas. Il connaît pas ton parcours. Il sait pas ce que tu traverses. Et lui, il vient te dire non, que pour un homme à 30 ans, machin, patati patata. Toi, tu es frustré. C'est-à-dire, quand il finit de te dire ça, là, tu as l'impression que ta vie est en retard. Tu es en même temps frustré. Tu es prêt à te mettre dans n'importe quoi pour pouvoir t'en sortir. C'est ça, là, on dit, on t'a donné un conseil sur ta vie. Chacun de nous, hein, a son temps dans les choses. C'est qui va me dire? Moi, il m'en fout d'elle, hein? Elle va rien à qu'à parler à l'arrêt de mes fesses. Je m'en fiche. Les gens qui n'aiment pas la vérité, là, moi, je dis ma vérité. Et puis, basta, le reste, là. C'est ton cacao, c'est ton café, c'est ton je ne sais quoi. Tu prends, tu écrases, tu te puges. Si c'est sorti, c'est ça. Si c'est pas sorti aussi, laisse. Aïe, ce sera toi sur ton casque, oui. Est-ce que c'est mon casque, oui? Hé,
Fichez la paix aux gens. Frères, sœurs, ça là, c'est pour nous-mêmes. Bon, moi, je ne fais pas partie parce que je ne les suis pas. Et je ne vois pas ce qui va me pousser à aller écouter conseil de quelqu'un pour gérer mon foyer. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui peut me pousser à aller écouter conseil de ma camarade. C'est-à-dire, elle et moi, on a à peu près le même âge. Il est parti écouter son conseil que non, oui, si tu dois boire ton mari dans la vie, si tu as dépassé tant, tant, tant. Non, non, moi, il ne fait pas ça. Mais il ne fait pas la course à quelqu'un. D'accord? Voilà. Tu n'es en course avec personne. Les gens qui vont venir te dire non, que oui, ma chérie, si tu as dépassé 30 ans que tu es là, tu ne fous rien là. Chérie Coco, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Si moi-même, je viens te dire, à 30 ans, tu vis chez ton papa, viens écrire en commentaire que tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Parce que c'est ta vie. Toi seul, tu sais ce que tu traverses. Toi seul, tu sais tes expériences. Aïe, vous êtes là, on vous prend, on vous prend. Il a dit, on vous prend sans vaseline et beaucoup de gros sel. On vous entube tous les jours et gros sel et vous êtes dedans. Moi, quelqu'un ne peut pas venir me décourager sur ma vie. Hein. Donc, vos actes, Moukassa, que ça soit plus dit, non, que les amitiés qu'il ne faut pas prendre pour marcher avec. Toi, tu ne connais pas qui est ton camarade qui est sorcier. Tu ne connais pas. Ton camarade qui a te fait du mal, là, quand tu le regardes, tu ne connais pas. C'est lui qui n'a qu'à te dire les gens d'amitié qui doivent te sortir. Mais toi, tu marches avec les gens sans chercher à avoir quelque chose. Vous êtes là, vous êtes comme mouton. Ah, brrr, mais vous vous suivez. C'est lui qui doit te dire. Aïe! Et vous êtes d'accord avec ça? Continuez à aller expliquer vos histoires de foyer dans la main de vos trucs là. Hein? Sunshine, demain là, comme Zach Moukassa a bien sucé ton jeton, c'est ce que tu as dit. Hein? Donc, je reprends tes paroles. Comme Zach Moukassa a bouffé ton jeton, quand tu as cherché encore là, hein, ma chérie, le nouveau gars, tu as à prendre là. Voilà. Quand il va te faire du mal, va expliquer. Il y a plein de coachs encore à aller là-haut. Il y en a encore. Même Lolo Beauté, elle s'est transformée en coach. Aujourd'hui, là, elle donne conseil. Oh, Seigneur Dieu. Même Lolo Beauté est devenue coach. Ouais, Ivoirien, vous êtes mouton. C'est pas possible. On peut être bête comme ça. Tchao. Lolo Beauté coach. Lolo Beauté. Elle vous coach. Ouh, Seigneur Dieu, mon ventre. Oh, vraiment, ça fait pitié. Hein? C'est, vous êtes tellement en attente. Je ne sais pas pour vous là. La vérité sort de la bouche des autres. Ça ne sort pas de vos bouches. C'est votre conscience là. Ça est là, ça ne vous sert à rien. Vous ne fournissez même pas d'efforts avec votre cervelle. Donc, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui va dire quelque chose qui vous plaît. Aïe! Et vous cherchez l'homme qui a venu dire que non, si ton mari fait ça, là, c'est un bâtard. Toi, tu cherches ça. Garçon, vous cherchez une femme qui a venu dire que ouais, vous les filles là, si vous ne boissez pas vos maris là, ils vont vous laisser. Vous aimez ça. Vous cherchez espoir. Lolo Beauté, son coach. Oh, hey, Seigneur. Vraiment, voyako. Votre Yako, je ne sais pas en quelle langue vous allez comprendre que le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère, c'est ta vie. Voilà. Quand tu vas à l'école, tu apprends la vie de tous les jours. Maintenant, la rue t'éduque. La rue t'apprend.
Et c'est par rapport à tes expériences. Il y a des endroits où quand tu t'en vas, tu t'en cherches travail là. On regarde ton CV. On finit derrière ton CV. On cherche le nombre d'expériences. C'est d'ailleurs le travail là. Tu as fait combien d'années dedans? Donc, ton expérience t'aide dans ta vie. D'accord. Regardez. Toi, tu es là, tu n'aimes pas mon direct là. Mais tu n'as pas dégagé. Ou bien c'est forcé. Ah, vous aussi, vous êtes là aussi. Vous avez un sale comportement, lourd comportement. Hein? Oh, vidéo là, tu ne plais pas, faut partir. Pourquoi tu t'en signales? Il a dit Lolo Beauté, coach. Ça vous fait mal où? Elle n'est pas coach. Elle ne vous donne pas conseil. Ah, vous aussi, des. Ah, vous êtes là, hein? Bon. Lolo est d'un coach. Est-ce qu'il a menti sur elle? Il a menti. Elle est coach. Vous regardez, non? Ah. C'est Lolo qui a vous donné un conseil sur votre foyer. C'est Lolo qui a vous donné. Il voit rien. Où ils ont payé votre cerveau là? Pardonnez, allez-y, rachetez ça. Les gens qui sont venus prendre vos cerveaux en zouzou wowo là, pardonnez, allez-y, rachetez. Parce qu'arrivé un moment là, ça fait pitié. Comme je disais, faites très attention. Voilà. Tous ceux qui viennent se jouer les coachs sur Facebook là, ce ne sont pas des coachs. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire si vous avez trop d'argent, que vous ne savez plus quoi en faire. Parce que dans la vie, là, il y a des gens, ils ont tellement l'argent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de ça. Hein? Si vous avez trop d'argent, allez-y dans votre quartier. Ou bien allez-y même à Abidjan. Hein? Vous vous asseyez là-bas. Vous regardez, vous allez voir qu'il y a des familles. 3 repas par jour, ils n'ont pas. Il y a des enfants, même habillés comme ça, ils n'ont pas. Les gars se promènent avec culottes. Vous allez vous payer des habits, vous donner à ces enfants-là. Vous achetez à manger, vous donnez à ces familles-là. Ils vont vous bénir. Leur bénédiction, là, ça va agir sur votre vie. Ça va vous aider à évoluer. Dieu va mettre sa main sur tout ce que vous allez entreprendre. Parce que vous avez fait du bien à des inconnus. Au lieu d'aller payer coût de comment tu dois m'appeler là. Au lieu d'aller chercher conseil de comment tu dois prendre ton gars. Comment tu dois vivre ta vie. Au lieu d'aller payer pour ça là. Frère, soeur, il y a des gens qui ont besoin de toi. Voilà. Tu peux te lever comme ça un matin. L'argent, tu as à prendre pour leur donner là. Tu prends, tu rentres dans des familles. Tu rentres dans un quartier. Tu te renseignes. Il y a des personnes qui ont besoin de cet argent là pour manger. Il y a des personnes qui ont besoin de cet argent là pour se scolariser. Vous comprenez? Voilà. Si tu n'as rien à faire ton argent là, il ne faut pas payer le livre des actes Mukasa. Va. Tu vas trouver des gens qui ont besoin de peut-être 20 000 que tu vas prendre pour payer le livre des actes Mukasa. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour manger. Va leur donner, ils vont manger. Quand ils vont manger, ils vont te bénir. Voilà. Ils vont vraiment te bénir. On est là, on parle, vous n'écoutez pas. Moi là, je ne suis pas là en train de chercher, comment on appelle ça? Je n'ai jamais dit à quelqu'un. L'autre téléphone est là. Ouais, c'est là. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de venir me payer pour quelque chose. Voilà. Il y a eu des sons ici. Même mes 300 personnes qui sont là. Il y a des gens qui ont fait leur son. Ils m'ont écrit. Maman de Luna, il faut jouer notre son. Ils jouent. Même 300 personnes écoutent. Ça les plaît. Ils s'en vont, ils demandent. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, il faut me payer pour mettre ton son. Jamais. Je n'ai pas expérience de venir donner conseil à une maman qui a peut-être 40 ans. Moi, c'est qui? C'est qu'elle a vécu là, j'ai vécu ça.
Hein? Conseil de Goéga. C'est que la maman l'a vécu, j'ai vécu? Non. Pourquoi il est venu lui donner un conseil? Allô? Il est fini bientôt, tu m'es délaissé. Non, attends, il va intervenir. Il va intervenir sur ton Moïkassa. D'accord, voilà. Pour intervenir sur Moïkassa. Voilà. Non, pour corroborer ce que tu es en train de dire, c'est ça en fait. C'est qu'il y a une réalité que les gens ne comprennent pas. Je vais dire ici le nom de certains côtes. Il y a une personne que j'ai beaucoup appréciée dans cette histoire des coachs, c'est coach Lady Sonia. Parce qu'elle parle de son vécu. Elle parle de tout ce qu'elle a traversé de sa vie. Ce genre de personne, au moins tu sais ce qu'elle a traversé. Elle a traversé le désert, la boue. Ce genre de personne, même si elle ne peut pas connaître tout le devenir, disons, d'un couple, parce que chaque couple a son histoire. Ben oui. Quand j'entends parfois Stantonet, Madame Stantonet, venir dire que si un homme, bon, c'est elle qui définit que quand un homme t'aime, quand un homme ne t'aime pas. Mais moi, je dis que des coachs là, pardonnez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un galon de coach. Parce que vous commettez tellement d'erreurs dans vos coachings. Vous oubliez une chose. Vous ne pouvez pas connaître la vie d'un couple ou la vie de comment un couple s'est construit. Il y a des gens qui ont couru dans le couloir de psychologie pendant que monsieur a gazé madame dans le couloir de psychologie, son patron, ils se sont mordus bien, déchirés les habits au-dessus là. Ils ont construit leur vie. Ouais. C'est ça la coach va venir dire, il faut le laisser passer, il te frappe. Mais tu ne sais pas d'où ils sont quittés. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas quel gars ils ont vécu ensemble. Tu ne sais pas si madame en avait 10 grossesses pour monsieur. Voici pourquoi je dis, c'est du foie-foie que nous soi-disant coach là nous vendent sur la toile. Une encore, elle va tuer. C'est qui ça? Son teint, on dirait, ils ont versé une sur son visage. Blow on. Non, quoi, il dit que tu choques, il dit que tu chic ou bien que tu choques ou bien quoi là. Vraiment. Ah, Seigneur. Vraiment. Vraiment. Regarde d'abord, c'est qui me surprend? Une coach, tu viens donner des conseils matrimoniales, comme on le dit, ou de couple. Ça se coupe, hein? La manière dont toi-même, d'abord, même tu es habillé, tu mets en exhibition tes seins pour montrer aux gens que tu as gros seins. Là, c'est rien. Moi, je pense qu'à partir de là, il y a un problème. Là, c'est rien. À partir de là, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. C'est ça qui est dangereux pour nos sœurs. Elles disent des choses qui ne sont pas réelles. Tellement, c'est-à-dire que tellement l'Ivoirien a un problème jusqu'à... On pense que les coachs là connaissent tout de la vie et les conseils qu'elles donnent sans connaître tout. C'est-à-dire que tout est ton élément. Donc, je dis que quelqu'un galère, je dis que tu ne sais même pas quelqu'un, elle ne connaît même pas quelqu'un, vous avez vécu, mais c'est elle qui a venu te dire, si tu vois qu'il n'est pas prêt pour aller te divorcer, il ne faut pas aller te doter, il faut le laisser. Il faut le laisser. Ta souffrance, c'est ton œil gonflé. Pendant ce temps, elle-même qui fait coach là-même, là, c'est-à-dire qu'elle vient s'exhiber sur la plateforme pour qu'au moins un homme d'affaires vienne dire que lui, elle est belle. Pendant ce temps, c'est elle qui, wallah, qui couche avec les maris des gens. Ce sont des réalités que les gens ne savent pas. Alors, ton appel aujourd'hui, c'est de dire aux gens, arrêtez de vous fier. Mais c'est ça, qu'ils arrêtent. Arrêtez de vous fier au coach, parce qu'ils ne peuvent pas connaître la réalité des couples et des vécus des couples. C'est pas possible. Merci. Ce n'est pas possible pour vous rendre compte. Un étudiant qui a rencontré une fille qui n'est pas étudiante ou disons qui est illettrée. L'étudiant veut sortir avec elle. La maman prend un bois de pilon depuis la jeunesse. Poursuivi le gars jusqu'à aujourd'hui, le gars vient à peine. Il fait venir son mousseau à peine. C'est ça là que tu es allé. Ce coach va dire, il faut le laisser. Parce que tes parents ne veulent pas. Elles viennent là en train de donner des conseils. Mais dans le fond, là, elles ont des vrais comportements agricoles. Lourd comportement, sale comportement des belles-là même. Elles ont des vrais comportements agricoles.
Bon, Jacques là, vraiment. Voilà l'autre aussi. Je ne sais pas à quel moment il est devenu coach, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas si c'est Box, si la femme l'a frappé, qu'elle a perdu ses pétales, qu'un boulot l'a mis sauté, je ne sais pas, mais à quel moment ils ont fait cours de coach, jusqu'ils ont un diplôme de coach, jusqu'à Adja. Tu veux parler de l'Afrique, il faut parler de l'Afrique, mon frère. Mais au niveau des coachs, des relations, il faut laisser ça. Parce que tout ce que vous dites sur la toile ne sont pas les vécus des gens. Franchement. Et vous ne savez pas comment les gens ont commencé leur relation. Vous ne savez pas comment les gens se sont battus, se sont aimés, ont vécu leur souffrance jusqu'aujourd'hui, là, ils sont arrivés là, à ces stades. Alors, moi, je tenais à soutenir, je tenais à apporter un soutien à ton direct. Oh, et merci. Dis aux gens, l'ancien appel et dit aux gens, pardonnez. Signez-vous à ce que vous avez vécu. Ou ce que vous vivez de votre couple. Hey. Voilà, comme on le dit, on ne connaît pas le destin de tout un chacun. Les gens peuvent se mettre ensemble, font 10, ils peuvent faire 10 ans ensemble, se séparer. La 11e année et après, ils se remettent ensemble. Revenir, alors, on n'a pas besoin de coach pour ça. Pas besoin. Voilà, le vécu là, c'est ce qui nous permet de donner des explications à nos enfants et de raconter notre histoire. Nos merci. Enfants, on n'a pas besoin de coach pour ça. Merci. Le coach là, c'est du m'as-tu vu, vendu. Vous allez voir même, elles ne sont pas mariées, elles sont en train de. C'est-à-dire que des preuves. Regarde, elles ont toujours. Marie, coach, ils ont versé huile ciel, on dirait. Et qui brille, on dirait, ils ont versé huile ciel. Elle va dans la radio, Nostalgie ou la radio ou quoi là. Jam, elle dit, je suis devenue star. Elle-même s'auto-proclame star. Facebook, ça donne des ailes. Voici pourquoi je dis qu'on a un problème. On est face à un problème. Et ça là, c'est parce que les Ivoiriens sont en manque d'éducation, en manque de connaissances. Qui préfère aller se mettre dans des imbécilités comme cela. Attends, ma chérie. Quand Dakoury venait te rencontrer, il vous dit, ah, je suis fan de toi. Quand tu étais là, lorsque tu as fait courir Dakoury après toi pendant un an, pendant 2 ans, avant qu'il te donne un bisou là, quand tu étais là. Quand tu étais là, merci là. Parce que Dakoury te donne un goumé, tu vas aller voir coach. Toi-même, ton dernier, il va avoir pris dedans encore. Vraiment, je dis ici à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, celles qui se décident, sont sur le direct, signez-vous à vos vécus. Voilà, la meilleure manière de pouvoir faire fonctionner un couple, c'est le dialogue, la compréhension. C'est tout. On n'a pas besoin de coach pour ça. Le dialogue, là, ça résume tout. La compréhension dans un couple, surtout le dialogue. Mais si c'est trop chaud, même là, si c'est trop chaud, va voir tes parents. Hey, la vieille est là, le vieux est là. Ça va pas là, c'est ils sont là, tu causes à eux. Pourquoi toujours mettre des barrières entre les parents? Franchement. Mais voici la raison même qui pousse même les gens même à ne même pas faire fonctionner les relations parce qu'ils ont honte de parler, ils ne conversent pas. Ils n'ont pas voir les parents, faut parler, hein. Les tontons, pour demander des conseils. Non, voilà, ils viennent. Voici une nouvelle manière de vivre, nouveau mode là. Coach, c'est ça que là. C'est coach là qui va les permettre de bien arranger le couple. Faut donner le rôle de ton gars, coach. Tu vas voir. Elle va pinailler ça, correct. C'est ça, il dit si Nel Djamila a vraiment boué Zach Mukasa, c'est très bien fait pour la Sunshine ou bien Sunshine. C'est très bien fait pour elle. Demain, elle n'a qu'à partir encore. Il y a d'autres coachs. Voilà, qui vient écrire à Star Tonnerre. Toi, tu dis que tu donnes un conseil. Voilà ça, tu crées mon mari, tu crées un mari de l'autre. Mais est-ce que c'est elle qui t'a dit que c'est elle? Aïe, c'est qu'elle se tient à ton direct. Allez, que Dieu te garde. Et on est ensemble. Ciao. En tout cas, c'était un peu de ça que je venais parler dans la grande position dans le lit. Pour faire position là, est-ce que tu as besoin de... C'est inspiration qui fait position. C'est-à-dire, ça dépend de comment le gars va te tourner. Et puis toi-même, tu as commencé à vouloir faire les dangereuses positions, araignées, les positions marteau-piqueur, bête à 7 têtes. C'est ton inspiration du moment. Ce n'est pas ta camarade femme qui a venu te dire que non, faut attraper tes stoppas de ça pour faire ça là. Et puis, elle finit de te dire ça, elle dit, tiens, elle est coach. Demain, elle va aller te payer. Tu vas payer pour aller écouter ça là. Sur le tas. Le gars, il entend, il te frappe. Il te frappe d'une façon. Toi-même, inspiration là, même, ça vient, voyez. Tu donnes les dangereuses positions sans voir dedans. Aïe. Vous aimez trop qu'on vous vende le rêve. Et vous allez rester là. Les pasteurs vont venir vous prendre vos jetons. Les coachs vont toujours venir vous prendre vos jetons. Et ainsi de suite. Restez là. En tout cas. Ma chérie Sunshine, demain là, faut aller donner le numéro de ton gars à une autre coach. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs coachs.
Va donner le numéro de l'autre gars à une autre coach. Elle va le prendre, elle va bien le boire. Nel Jamila, si c'est vrai que tu as Muguzak Mwikasa, tu as très bien fait. Voilà. On ne peut pas donner viande à chien et puis on dit chien, il n'a qu'à garder viande là. C'est-à-dire tu mets viande sur le truc en train de fumer. Le chien là, il n'a pas mangé. Et tu lui dis, wow, wow, nian nenga sou, hein. Nan di, hein. Ni en sous seulement. Jean Bobo, regarde chose. Viande là. Il ne faut pas manger. Hein. Faut regarder seulement. Tu finis de dire ça à ton chien. Tu as parti. Chien là va garder pour toi. Hein? N'importe quoi. En tout cas, Nel Jamila, demain tu gagnes encore, tu bois. Mais la seule chose, arrêtez de mentir à nos soeurs. Arrêtez de mentir à nos soeurs. Vous n'avez aucun diplôme de coaching. Vous n'avez fait aucune école. Ton expérience, c'est-à-dire ton expérience de vie, là, ça ne peut pas te donner le droit de donner des conseils en vie matrimoniale ou bien en... Je ne sais pas. Tu n'as aucun droit de donner des conseils à nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Zak Mwikasa, il faut laisser pour toi là. Si tu veux donner des je ne sais pas, parler de l'Afrique, de la misère de l'Afrique, moi, je considère que tu fais bien. Mais venez dire à mon frère que son ami, machin, patati patata, pour moi, là, ça, là, ce n'est rien, c'est zéro. Parce que je pense que mes frères bêtes, là, ils sont assez intelligents pour savoir quel ami va l'attirer dans la merde ou bien quel ami va le sortir de la merde. Voilà. Donc, c'est qui ça encore? Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était juste pour intervenir. Allons-y, on est là. Tu seras la dernière personne même. Allons-y. Ah, d'accord. C'est juste aussi pour dire par rapport à Lolo Beauté là. Ah, mais elle n'est pas coaching. Vous aimez ça, non? Non, moi je suis désolée, hein, moi je ne suis pas pour ce genre de personnes-là. Et même quand j'entends même qu'elle est ivoirienne, et puis elle tape sa poitrine, moi c'est comme si c'est comme ça. J'en ai honte, quoi. Je ne sais même pas quoi penser quand. Je n'arrive même pas à suivre ses vidéos, même parce que dès que je mets, quand j'entends sa voix et sa manière de parler, tout de suite je cours parce que je me dis, c'est pas possible à me gâcher la journée. Mm-hmm. C'est pas possible. Elle nous donne la honte, mais elle nous fait la honte, mais totale. Et quand je pense qu'il y a des femmes ivoiriennes fières de ce nom-là, et qui sont derrière la Guénon, parce que moi, je la vois comme ça, ma mère reconnaît qu'elle n'est pas belle, mais néanmoins, elle empêche qu'elle traite les autres de pauvrerottes. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Déjà, sa dernière vidéo que j'ai vue, là, elle est devenue coach. Elle est coach, mais maintenant. Ça, c'est grave. Mais c'est grave, mais c'est désolant en tout cas pour nous les Ivoiriens, hein, parce que du jour au lendemain, même une guénon comme elle, là, moi j'espère qu'elle va chercher à voir qui a parlé aussi mal d'elle. En tout cas, je n'ai rien à foutre de sa gueule, mais déjà pour commencer, moi c'est le fait. Elle s'est mis en avant de tout, pour dire qu'elle est riche, et que c'est elle la maîtresse de Facebook, elle dirige, personne ne la dirige. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, putain, qu'elle a ses médias là, elle nourrit qui? Non, je suis pas dedans, hein. C'est comme ça, là. On doit les jeter à la poubelle. Non, mais c'est clair. C'est passé même des réseaux sociaux, là, on doit même plus entendre parler de ça. Mais c'est clair. Mais malheureusement, ils ont des followers, oui, c'est pas des fans, ouais, mais qu'elle ouvre sa sale gueule, et puis elle parle là même, là. Moi, je suis dépassée.
Et il y a des gens qui vont s'élever pour insulter d'autres personnes parce qu'elles, là, ils sont fiers d'elles. Mais si vous êtes fiers d'elles, là, prenez-la, allez-y, faites d'elles ce que vous voulez. C'est clair. Je ne veux plus entendre parler, c'est tout. Moi, je ne veux même plus, même que même, quand on parle de Lolo Beauté, quand on dit que oui, les Ivoiriens, non, désolé. Désolé. Ah, mais quand tu parles, on dit tu es jalouse. Quand tu parles, on dit oui. Non, je ne sais pas avec elle, ça. Elle a reçu dans quoi? Et puis, en quoi même temps? Elle a dit quoi? Ça, c'est la recette, ça? Elle veut compter comme ça, là. C'est ce qu'elle appelle la question. Elle connaît les gens qui ont reçu, celle-là. Elle peut s'asseoir avec eux-mêmes pour avoir une conversation. Je te jure. C'est pas possible. Elle arrête de venir insulter des gens matin, midi et soir. Et du jour au lendemain, elle veut venir se jouer la côte du Vioge. C'est pas moi, côte de ma vie. Chérie. What do you know about life anyway? You are fucking shit from hell. T'es venu salir les gens sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens. T'es venu nous afficher, toi et puis ton frère. Lui, je ne vais même pas lui mettre dedans parce que déjà, il est en deuil. Mais c'est le même pétard, hein, quand ils explosent comme ça, là, nous tous, on prend les séquelles. Mais ce n'est pas possible. Ce qui m'énerve dans tout ça, là, ils peuvent faire leur cono, là, on s'en fout. Mais à chaque fois, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui traîne dans la boue, là. C'est ça qui m'énerve. Parce que toi, tu es assis dans ton petit coin là-bas, et puis à chaque fois, tes amis vont venir te dire, ah, est-ce que tu as entendu, tu as vu la dernière vidéo, tu as entendu qui, oh, toi, mais tu n'es même plus choqué, mais c'est Lolo, c'est pas Lolo, c'est son frère, mais punaise, quoi. ça commence à fatiguer un peu. On a trop de problèmes en Côte d'Ivoire, chaque fois, c'est Lolo. Inondation, on ne parle pas de ça, hein. Lolo. Moi, tu es venu faire coach. Oui, elle est coach. Tu avais dit même déjà. Si, si. Parce que les gens vont écouter, donc apparemment, non, elle mais sait. Les femmes, même, attends, déjà, même là, mettre pommade même sur sa peau, là, ça, là, c'est ton choix. Si tu as envie de t'éclaircir ou tu veux rester noir, c'est ton problème. Ça, on ne va pas rentrer, c'est pas un débat. Mais le fait même qu'elle vient s'afficher, même sur les réseaux sociaux, pour dire que oui, elle est là, c'est pas la présidente, mais c'est même pas pour qui elle se prend, déjà, même là. C'est pas joli à voir. C'est pas bon, ça ne fait pas honneur à notre pays. On a trop de problèmes. Même pour mettre ces gens de personnes en avant, que quand tu tapes Côte d'Ivoire, c'est Guénon qui sort là. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Tu t'appelles grande dame. Et puis c'est toi, tu viens afficher ton pays du jour, à chaque fois. C'est qu'elle fait comme business, mais elle devait garder ça même en secret. Vu que déjà même tes clients, même là, c'est sur quoi, ils te contactent. Ça n'a rien à voir sur les registres. Pourquoi à chaque fois, elle vient s'afficher. À chaque fois, c'est de l'eau de beauté. Et quand on parle de l'eau de beauté, toi, t'es Ivoirienne, tu veux te cacher dans ton petit coin. Toi, t'es Ivoirienne, ta soeur a fait ci, ta soeur a fait ça. C'est pas ma soeur, hein, je suis désolée. Moi, ma soeur est assise chez elle là-bas pour qu'elle m'aide à travailler. Ça n'a rien à voir avec l'eau de beauté. L'eau de beauté, elles n'ont pas de contrat. Je suis désolée. Elle est Ivoirienne, elle n'est pas Ivoirienne. Moi, je n'ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, là, qu'elle amène là, le nom, et qu'elle, notre nom qu'elle est en train de salir, parce que ce n'est pas elle-même. C'est pas sa personne là même là qui me fatigue. C'est le fait même qu'elle est en train de traîner la Côte d'Ivoire dans la boue là même là, qui m'énerve. C'est toujours cette connerie là. Elle n'est pas la seule qui le fait. Il y a beaucoup qui le font, mais non. C'est pas autant quoi. À chaque fois que tu ouvres ton téléphone comme ça, c'est Guénon qui sort. C'est Guénon, c'est Guénon, c'est Guénon, c'est Guénon. Lolo, les deux, oui. Alors qu'à neveu, beauté, là, quand même, les deux comme ça, on sera tranquille. Elle a arrêté, sincèrement. L'histoire des coachs, en tout cas, il n'y a que des idiotes, sincèrement, celles qui ont lavé leur cerveau, là. Il n'y a rien dedans, là. Elles cherchent quelqu'un pour leur dire que oui, ma chérie, peut-être comme ça, ta vie, ça a changé. C'est que toi, la main, tu as progressé. C'est pas la peine. Guénon va pas t'aider et puis tu es perdu à jamais. Parce qu'elle, même si elle avait solution, elle te juge qu'elle n'a pas même s'asseoir sur les réseaux sociaux pour qu'elle vienne te conseiller. Ah, c'est donc, laisse ça. Non, c'est pas possible. Moi, en tout cas, ce que je vois sur les réseaux sociaux, les coachs et tout là, c'est, comment on dit ça, je nous blaguetier, parce qu'elles veulent faire comme les Américains, mais les Américains, quand même, elles font des stages, elles font des formations quand même pour avoir au moins un petit niveau. Elles viennent s'asseoir là, oui, moi, il faut pas un garçon comme ça, vous faites comme ça. Moi, mais déjà, mais c'est des trucs, même, je veux pas aller m'asseoir, mais c'est les réseaux sociaux pour écouter, mais ça m'apprend rien. Chose que mon monsieur fait dans la chambre, là. C'est pas ma copine qui avait une médecine. Ah, c'est ça, elle dit là, c'est inspiration qui donne position. Hey, ce
que ton homme aime et puis son homme aime ou bien son expérience aide, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est des connards, sincèrement. D'accord. Pourquoi de nos jours, tout le monde veut être à la mode ou bien tendance. Tendance, va les jao. Donc, ça suit n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Au final, là, c'est le bordel total. Tout est gâté d'après. Tout est gâté. Tonton Kouakou. Tout est gâté, la raison, hein, tout est gâté parce que ça, là, c'est l'as même qu'elle a. Mais moi, il y a fait, ouais, bah. Dit que quand il y a qu'un boubou, il y a au moins un sou. D'accord. Comme l'autorité de Côte d'Ivoire, même noilé, et bon, moi, et moi, il y a un sou, et qu'il y a tout moins con. Pourquoi va se passer tout ce. Parce que quand il a fait tout le ça, quand on a su et ça. Non, fais du mal, Kandé. Non, on m'a fait du mal, Kandé, exemple. Il va quand il va faire du mal, Kandé, quand il est sans, quand il est sans, quand il est sans, Quelqu'un qui n'est pas chimie, elle n'a même pas fait même le petit base même de niveau même de tout. Elle s'en fabriquer des machins et bien vous en vous mettez. Comme il y a tellement de grilles jalouses aussi là, elles vont payer aussi. Quand demain maladie va suivre, vous allez vous accompagner. C'est fini. Moi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, mais sincèrement, il faut être vraiment logique dans la vie. Moi, c'est assez lourd, le bouteille a venu me vendre sa pommade. Moi, déjà, même quand il paye, même, c'est que Blanc, même, il a fabriqué. Je vais lui jusqu'à. Si je vois un ingrédient dedans bizarre, et puis il dit, ça, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, là, c'est pas dedans. Ce n'est pas pour le bouteille où il n'y a rien qui est affiché là. Il est sauté dedans là-bas. Non, quand même, ça, on réalise. Il faut plus dire son nom, ma soeur. Toi, tu es trop clean, mais quand tu dis son nom, là, tu salis pour toi-même. D'accord, ok, merci beaucoup, madame. Parce qu'elle aime ça, elle adore ça, mais elle a dit que ça la fait vibrer, ça la fait faire des affaires. Donc, dame, c'est ça même. D'accord. C'est bon. Tu crois que nous, les Ivoiriens, on doit apprendre que ces gens de personnes-là, on doit les mettre de côté. D'accord. Et quand tu veux parler d'eux, là, mais tu ne dis pas non, là, même, tu, comme ça, là. D'accord. Espère que c'est d'elle, tu parles, puis ça va mieux pas. C'est tout. Mais quand tu dis son nom, il m'a encore une vidéo, comme on pense, oh, il y a un peu comme tu as venu répondre, tu apprends à l'annoncer comme ça. D'accord. Donc, quand elle est laissée dans l'anonymat, parce que c'est dans ça qu'ils vont rester vers la fin. D'accord. C'est bon. Ok. On n'a pas trop de problèmes. Il y a inondation en Côte d'Ivoire. Hein? On ne sait même pas comment on va faire pour aider nos parents qui sont là-bas. C'est des conneries comme ça là. On va venir écouter matin, midi, soir. Pour nous, rien n'a fait. D'après elle-même, elle est arrivée là. Comme elle est arrivée, voilà le problème. On a qu'à aller donner un coup de main là-bas. D'accord. Comme ça, nous tous, on va la produire. On va venir se faire voir sur les réseaux sociaux. Là. D'accord, ok. Allez, bisous. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. On est ensemble. Ciao, ciao. Bye. Bon. En tout cas, comme je disais... Ah ouais, ça là m'a appelé. Comme je disais, mon frère, ma soeur, voilà. Tu n'as pas besoin de conseils sur une coach ou bien sur un coach. Toi-même, tu sais ce que tu vis quotidiennement. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire... Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, lève-toi, va te battre. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis intervenue sur votre émission. Je ne sais pas si c'est fini ou... C'est non, 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 je suis encore là. Voilà, donc je suis une fois de plus tombée sur votre direct. Et voilà, ça parle des coachs sur les réseaux sociaux et tout. Franchement, bon, on a tous, bon, un moment, regardé un coach présenter
un thème, développer à sa manière et tout. Mais à un moment donné, si nous-mêmes, en tant que, comment je vais dire, en tant qu'abonné, bon, pas, je ne suis pas abonné, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et tout, nous écoutons tout ce qu'ils disent, il faut aussi que nous, à un moment donné, qu'on puisse faire une analyse de l'autre côté pour voir si effectivement ce que dit la personne, ça convient en fait. Donc moi, il est vrai, j'ai eu à suivre une coach là, voilà, qui est sur les réseaux sociaux. Je préfère ne pas dire son nom. Donc, j'ai toujours l'habitude, chaque fois que je reviens de boulot le soir, je mets sa vidéo que j'ai peut-être ratée dans la journée. Je l'écoute. Donc, pour moi, bon, ce qu'elle dit, bon, c'est pas mal non plus et tout. Mais une fois, elle a écrit sur son mur, en fait, à ce qu'il paraît, elle avait fait un direct pour... parler de comment séduire son homme si celui-ci est tout le temps distant, en fait. S'il n'est pas à la maison, s'il s'assoit régulièrement, quand il rentre chez lui, il ne te calcule pas, il ne te fait pas ci et tout. Donc, du coup, elle a donné des conseils aux jeunes filles pour pouvoir ramener leur mari ou leur conjoint à la raison. Donc, du coup, il y a une de ses abonnées qui lui a envoyé un message à une boss pour dire, mais coach, le direct que vous avez fait parlant de tel thème, moi, j'ai mis sera en pratique, mais mon homme, il est encore plus distant qu'avant. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il dise à la fille, non, patiente, ça va aller, mais non, sa réponse pour moi était vraiment trop brusque que depuis déjà un mois, je ne la suis plus, en fait, quand je vois même ça, c'est direct et tout. J'ai vite regardé parce que je dis, c'est pas censé, en fait, tu as fait un direct, tu as fait un développement, tu as donné des conseils à quelqu'un. La personne vient te voir dans ton e-boss pour dire que, voilà, ton conseil que tu m'as donné, j'ai mis ça en pratique, mais mon homme, voilà, il est encore plus distant. Et voilà la réponse de la coach, lui a dit, écoute ma chère, si elle a dit il t'aime pas, va te faire voir ailleurs, quelque chose comme ça en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que quand on vient, sœur de Luna, on vient, on dit d'accord, je développe tel thème. Voilà, on dit le pour et le contre. Donc, du coup, les personnes, ils prennent voilà, ce qui les arrange et tout. Mais si quelqu'un vient vers toi pour dire, ah, ce que tu as dit là, moi j'ai mis ça en pratique. Parce que le but final du coaching, c'est d'emmener les gens à adopter certaines méthodes, en fait. Et comme l'a dit une dame tout à l'heure, ou le monsieur tout à l'heure, on ne connaît pas le vécu de chacun, en fait. On ne connaît pas le vécu de chacun, en fait. Que chacun, c'est-à-dire dans une famille, vu qu'en Afrique, non, on n'a pas accouché, enfin, on n'est pas deux frères, trois frères, on est six frères, huit frères et tout. Aujourd'hui, voilà, la plupart sont, enfin, la plupart, voilà, ils sont dans le foyer et tout, tout. Mais il faut vraiment que nous, on conseille nos sœurs, en fait. On se conseille entre frères. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que c'est la quête de vue, en fait. C'est la quête de vue. On préfère aller sur le site, taper des mots-clés dans Google, avoir des mots qui, voilà, pour enrichir son vocabulaire et venir débousser ça. Donc, du coup, moi, franchement, j'aime le truc, ça m'a choqué, en fait. Il dit, ah, ma chérie, d'accord, c'est-à-dire, il t'aime pas, va te voir, voilà, quitte-le. Non, mais pourtant, c'est elle qui cherchait à ramener le mari. C'est pour dire qu'elle n'a pas la science infuse du comportement ou de la réaction de qui que ce soit dans un foyer. Non, il faut que les gens arrêtent de les suivre, c'est tout. Moi, je trouve, hein, maintenant, bon, comme les gens sont un peu butés dans la tête, ça devient compliqué. Sinon... Après, chacun suit qui il veut, d'accord? Chacun suit qui il veut. Mais quand on écoute ce qu'ils disent aussi, il faut que nous-mêmes, quand on écoute, on analyse, on n'écoute pas bêtement. Il ne faut pas écouter bêtement pour pratiquer bêtement, en fait. Il faut écouter pour dire, bon, d'accord, ok, d'accord. Parce qu'il y a des fois, même quelqu'un que tu ne connais pas te dit un truc que tu trouves ça un peu sensé. Mais si toi-même, tu ne te dis pas, est-ce que ça cadre avec la réalité, avec ce que moi je vis, franchement, tu risques de tomber à l'eau, en fait. Tu risques de tomber à l'eau. Et c'est là que je rejoins l'idée du monsieur qui a parlé pour dire que, voilà, chacun a son vécu, en fait. Chacun son vécu. Quand il a dit, oui, coach Sonia, il a parlé de son vécu et tout, mais comme coach Sonia, il y a des milliers dans le monde qui ont vécu la même chose qu'elle, en fait. La seule différence, c'est qu'elle est venue exposer ça sur les réseaux sociaux, au moins pour gagner la confiance des gens, pour les rassurer, pour dire que voilà ce que moi j'ai vécu, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au-delà de ça, il ne faut pas aussi abuser.
faut pas s'y abuser. Donc, franchement, moi, ça m'a refroidi. C'est pourquoi, depuis peu, quand je vois sa notification, elle est en ligne. Je tique, en fait, pour aller regarder parce que je me dis, bon, j'ai toujours l'habitude de la regarder, mais ce truc-là, ça m'a refroidi. Et puis, j'aimerais que, voilà, cette vidéo, en fait, ce direct aille loin pour le faire comprendre qu'on n'est pas contre leur coaching et tout ça, que fait son business de la manière qu'il veut, mais il faudrait que ce soit des choses sensées, en fait. Faut pas choquer les gens en parlant comme ça, parce que je pense que la fille va pas se remettre à ça. D'accord, c'est bien fait. Merci pour elle. À vous. bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'est très bien fait pour la fille qui est partie prendre un conseil. Ils t'ont raté, demain va encore, ça vous rate. Pâté, elles vont bien vous laver. Bon, moi... Allô? Allô? Tu as trouvé. Oui, tu as cherché, tu as trouvé. Il est 22h. Voilà. Moi, je vais revenir sur coach Tanti Armand, ou coach Tanti, parce que vrai, là. Il y a un coaching qu'elle a tendance à faire. Et là, je vais interpeller tout le monde là-dessus. Ah, mais attends, c'est Nel Djamila et Jacques Moukassa. Non, attends, Jacques, non. Tu n'as pas donné le nom de quelqu'un. Tu as parlé de coach, tu n'as pas donné le nom de quelqu'un. Il faut laisser. Maintenant, il ne faut pas couper les gens dans l'œil là. Vous laissez, laisse ça là. Voilà. Il y a une manière de coacher qui attire beaucoup mon attention. Est-ce que pour faire jouer une femme, on a besoin de coach pour ça? Est-ce que pour toucher les clitoris d'une femme, pour que la femme sexy, est-ce qu'on a besoin de coacher ça? Les gens ont besoin d'entendre ça. Non, attends. Est-ce que, pour comprendre le niveau de jouissance, c'est-à-dire que le niveau de l'excitation, le niveau du degré vraiment de l'adrénaline qui monte, est-ce qu'on a besoin de coaching pour ça? Vraiment. Vraiment, tu ris. Faut rire. Vraiment. Mais. Non. Dédie on quoi. Rigole, hein. On rigole, mais nous, coach, surtout coach Grosset, ils ont versé une santé, on dirait de verser une huile d'inocielle. Je dis, je vais lancer la peine dans ton direct pour dire. Pour Grès, comme ta mère, tu l'as dit, en fonction du degré de ce que l'homme et la femme. C'est-à-dire que. L'inspiration. Je ne vais pas, moi aussi, pas rentrer dedans aussi. Mais on n'a pas besoin de coaching dans ça. Donc, moi, je ne vais pas. Si elle n'a rien à dire et qu'elle montre aux gens qu'elle est mariée, elle n'a qu'à s'occuper de son mari. Parce que c'est qu'elle est en train de faire là. Elle ne sait pas qu'elle est en train de s'exposer. Demain, les gens vont venir dire ici que coach Sheikh Amon a trompé telle femme ou tel monsieur parce que. Mais, Tati, si tu es marié, il faut t'occuper de ton mari, pardon. Moi, je te demande pardon. Il faut t'occuper de ton mari. Parce que vous ne savez pas que vous exposez. Et demain, ça peut venir dire qu'on expose votre fille, alors que c'est vous-même qui avez cherché à exposer vos vies. En venant faire ce qu'on ne vous a pas, c'est-à-dire que ce dont on ne vous a même pas mandaté de venir faire sur les réseaux sociaux. Moi, je dis aussi aux gens aussi, pardonnez. Pour qu'elle, on n'a pas besoin de coach à mon chic ou quoi là. Pardonnez. Non, c'est Lolo Beauté qui parle de Grès. Non, il faut laisser Lolo Beauté. Elle, quand elle est contente, elle tape. Faut laisser. Elle tape son bas de l'endroit, chambre à elle. Faut la laisser comme tu l'as. On n'a pas le même problème. Chacun a ses problèmes. Voilà. Moi, où je suis, c'est que moi, la personne qui m'intéresse et qui m'énerve même dans cette sorte de coaching, c'est coach à mon chic. Voilà, d'après elle-même. Elle s'appelle chic. Ça n'engage qu'elle chic. Mais bon, je dis, nos enfants souffrent en Afrique. Nos enfants aujourd'hui là, ils vivent dans des conditions pas possibles. Il y a trop de dépravation en Afrique. En fait, comment? C'est à partir de là qu'on a besoin de vos conseils. C'est à partir de là qu'on a besoin de comment nos mères doivent encadrer leurs enfants. Voici là où on a besoin de vous. Comme tu as tendance à le faire parfois dans tes directs, on a besoin de vous. Mais on n'a pas besoin de savoir comment tu dois faire jouer une femme. Comment tu dois prendre ton doigt pour mettre dans la niche d'une femme. Comment tu dois prendre ton doigt pour toucher le clitoris d'une femme. Pardonnez. Nos enfants, nos jeunes filles de 16 ans nous observent. Nos jeunes filles de 15 ans nous observent. Nos jeunes filles de 14 ans nous observent. Elles ont besoin que nous soyons un exemple. Elles ont besoin de connaître, d'apprendre des choses de nous, mais pas de ce genre de choses. Parce qu'elles n'ont pas encore atteint l'âge d'apprendre comment un clitoris doit bouger, comment un clitoris doit dire oui ou ça doit descendre ou ça doit dire non. Non. Comment sensibiliser nos mères pour qu'aujourd'hui, elles donnent une éducation exemplaire à leur enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais dire comme dernière intervention. Merci beaucoup, Telunda.
C'est moi. Que tes ancêtres te protègent. Amen. Ainsi soit-il. Bon. Comme j'étais en train, j'étais disante. J'étais disante. Voilà, on va parler en bon français. Ma soeur, mon frère. Voilà. Pour ton conseil, pour ta vie, je ne sais pas, pour ton futur, pour toi-même, c'est-à-dire... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais... Il y a des conseils là. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire. Comme j'ai dit, au lieu de payer pour aller parler à quelqu'un là, prends cet argent là, va donner aux nécessiteux. Au lieu d'acheter le livre de quelqu'un où il t'explique peut-être comment il a fait jusqu'à il est devenu boxeur là, cet argent là, prends. Il y a des familles qui n'ont pas 3 repas par jour. Tu peux les aider. Tu auras une bénédiction. Voilà. Une personne qui n'est pas allée à l'école pour quelque chose ou qui est peut-être moins âgée que toi, c'est vrai, la sagesse, là, Dieu la donne à qui il veut. L'intelligence, Dieu la donne à qui il veut. Mais il y a des moments là, hein? Toi-même, il faut être toi-même ton coach. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire de ta relation. Comment tu dois prendre ton gars? Comment si ton gars te jette? Si ton gars te jette, c'est qu'il ne t'aime plus. Pourquoi tu veux le faire revenir? S'il revient, il va te boire cadeau, ma chérie. Il va te mougou cadeau et puis ça ne va pas aller quelque part. Donc, vraiment, allez-y doucement. Vos coachs, là, avant de venir vous donner conseil sur vos vies, là, vos vies maritales, allez-y demander conseil chez vos parents. Ta maman est là, ta tante est là, ton papa est là. Parlez avec vos parents, soyez ouverts. Vos parents, là, s'ils sont là, ils sont vieux, là, c'est chez eux que vous devez aller prendre conseil. C'est pas chez quelqu'un que tu connais, ni d'Adam, ni d'Ève. Et en plus, que tu vas payer pour entendre les bêtises qu'elle va te dire. Non. Non. Parce que c'est vous qui faites qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est vous qui faites que demain, on vous manque de respect. Comme il y a une de mes lumineuses qui a dit, il y a une fille qui a appliqué le conseil d'une coach. Quand ça n'a pas marché, elle venait demander explication et puis ils l'ont gbain. Donc c'est toi-même tu as fait et puis on t'a gbain. Vous comprenez? Tu as besoin de conseils. La vieille est là. Le vieux est là. Va lui demander. Lui là, il a expérience de ça. La vieille, elle a expérience de ça. Voyez, le vieux, il est sorti. Peut-être il a fait enfant dehors. Peut-être il a eu deuxième femme en cachette. Lui là, il a fini expérience. Donc va lui demander, il va te donner son expérience. Il va te parler de ça. Tu comprends? La vieille, elle a supporté Goumé. Le vieux, là, d'Abel était là. Le vieux a fait un enfant dehors, ils ont ramené à la maison, elle a accepté. Il a pris femme dehors, il a ramené, elle a accepté. La vieille, là, si tu t'en t'assois, man, le monsieur, là, il me fait ça, il va te donner un conseil, ça peut, j'ai un tapé poteau. Ça va aller direct au fond. Tu n'as pas besoin de coach. Tu viens exposer ta vie inutilement. Tu viens payer pour exposer ta vie. Et puis demain, on prend au mougou ton gars. Et puis tu viens t'asseoir ici pour pleurer que oui. Je suis venu expliquer mon problème à Nel Jamila. Elle allait mougou Zach Mukasa. C'est toi qui allais donner Zach Mukasa et puis Nel Jamila la mougou. Ou bien? Si tu avais expliqué ça à ta maman, là, tu allais pouvoir maintenir ton gars. Est-ce que ta maman allait mougou Zach Mukasa? Il y a toujours tantie et tonton. Il y a toujours un grand oncle, une grande tantie. En tout cas, c'était mon seul conseil. Voilà. Pas conseil, c'était mon avis. Parce que je n'ai pas la genèse de tout savoir. Je n'ai aucune genèse. Voilà. Donc, moi, je donne mon avis. Continuez de faire. Mais quand ça a pété, là, moi, je suis là pour rire de ça et puis pour parler de ça. Voilà. Prenez soin de vous. J'ai pris trop votre temps.
Je ne veux pas être coach, pardonnez, laissez-moi où je suis là. Mais est-ce qu'ils connaissent les positions d'une? Ah oh. Je sais pas, faut aller leur demander. Ah, mais si on s'infuse aux genèses de la chose, mon cher, une bagne, c'est la même chose. En tout cas, prenez soin de vous. Sunshine, demain, va donner ton autre gars à une autre coach. Nel Djamila, tu as bien fait de boué Zach Mouikassa. Si tu l'as vraiment boué, tu as très bien fait. Demain, si une encore t'envoie son gars, Nelly, tu boué encore. Et puis ça ne va pas quelque part. Celles qui n'ont rien compris et puis c'est dans ta mère viennent pour prendre conseil de leur mariage là. Si elles envoient là, la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Nel Djamila. Donc, tu reçois. Tu as entendu? Les filles, prenez vos foyers, allez leur donner. Elles vont bien les boire. Et puis moi, j'ai bien ri. En tout cas, bonne soirée. Que nos ancêtres nous guident, nous apportent le savoir. Nos bons ancêtres, qu'ils nous apportent le savoir, qu'ils nous guident dans tout ce que nous faisons. Qu'ils nous dévancent dans toute situation. Et qu'ils aillent enlever tout ce qu'il y a comme problème sur notre chemin. Qu'ils nous protègent, qu'ils protègent nos enfants, nos familles, nos affaires. Voilà. Ainsi soit-il. Prenez soin de vous, hein? Voilà. Demain, là, allez-y encore. Wenceslas, bonsoir. Moi aussi, oh. Bisous, bisous à vous et puis on est ensemble.